Allez, re Twitch et bonjour YouTube, bonsoir YouTube. On sort du 3 mystères, du mystère des 3 lacs sur Pokémon Diamant et on est à Voix la Roque désormais. Et on va se taper, je pense, un grand bâtiment du QG de la Team Galaxy. Ça va être long. Ça va être très long. Et comme je le suppose, d'accord, il me laisse un objet sous les pattes, très bien. Et comme je suppose, ça va être un bâtiment à téléporteur. Je déteste les bâtiments à téléporteur. J'arrive pas à me repérer dedans. J'aime vraiment pas ça. Bon, ça fonctionne comment ici? Tout ça, eux, on leur avait déjà parlé. Il y a très longtemps, on peut aller directement là-dedans. Non, on peut pas, faut passer par le hangar. Génial. Le hangar, je crois qu'il est en haut à gauche. Mais il faut faire le grand tour. Attendez, j'ai escalade. Je peux récupérer l'item là. J'ai pas fait les... J'y pense, là, j'ai pas fait le... Les combats de la neige liés à... qu'il y avait en hauteur. Mais pour y accéder... c'est le combat qu'il y a sur cette ligne ici, horizontale. Mais pour y accéder, il faudrait que j'utilise vol. Ou alors que je reparte de Voie la Roque, de Vestigion. Que je retraverse là. Je crois que c'est le plus court que de refaire tout le trajet de la neige là. Quoique en vrai, c'est pas si long que ça. Mais là, il y a des combats que j'ai pas fait là. Faudrait peut-être que je fasse ça avant en fait. Ouais, on va faire ça. Il y a des combats que j'ai pas fait. Je veux pas rater des combats et donc rater d'XP. Allez, on fait le tour. Ça va être un grand tour. Ok, c'est bon, j'ai pas pris de combat là. Ça passe. Pas de combat sauvage ici non plus. C'est rigolo ce qu'ils ont fait là quand même dans la neige. Ça passe pas. Je croyais que ça passait, ça passe pas. Tant pis. C'est un petit blizzy, ça devrait le faire quand même. Oh punaise, enfin, c'est pas trop tôt. Enfin. Oh.
Je suis un peu embêté là. Je le mettrais bien dans l'équipe. Mais il va être niveau 1. C'est un type quoi ça déjà? Combat. Ouais non, combat j'ai déjà ce qu'il faut en vrai. Désolé Riolu, tu vas dans la boîte PC. Et on va récupérer... C'était pas Castornoak. C'était notre multi-outil. Multi-outil mystère. Maxi-outil. C'est bien Castorno qu'on avait. Hein. Ah, j'en ai même un là, tiens. C'est la foire au Castorno. Ouais, on va récupérer Castorno. Par contre, il a du retard. Allez, Riolu. Au revoir. Castorno qui a des attaques. Il a mâchouille, trop fatale, roula des coups de boule. Et on va lui mettre du coup des trucs pétés juste avant la ligue, ou au niveau même de l'arène, la dernière. Je pense que ça va être le plus intéressant. Alors, les combats d'ici, on en a 1, 2, 3, il y en a 3. Au moins 3. Je dis 3 combats, je dirais quand même quasiment 2000 XP au total. C'est pas négligeable. Hein. Oh non, pas balayette. Balayette, j'aime pas. Allez, c'est bien, Castorno. Un niveau de Castorno. Ah, il va quand même avoir du retard le Castorno. Il va vraiment falloir faire une session XP à un moment donné. Hein. Oh là les skis. On a deux skieurs. Enfin, un skieur et une skieuse. Trois Pokémon. Allez, le racaillou qui va nous embêter, je suis sûr qu'il va avoir fermeté, sinon c'est pas drôle. Avalanche qui va nous embêter. Non, peut-être. Voilà. La fermeté du Gravalanche. Ah bah il s'est fait bobo tout seul. Merci la grêle. Ok. Bien blizzy.
On passe à la skieuse. On voit qu'il y a un item à récupérer après. Marie-Ange. Référence Marie-Ange Nardi. Enfin, le jeu fait pas une référence à ça, mais moi je sais. Ah, il y a plusieurs items en fait. D'accord, alors herbe mentale. Je sais pas ce que c'est ça. Une feuille d'herbe mentale. Guérit de certaines attaques limitant le choix des capacités. D'accord, ok. Il y a beaucoup de notifs là-haut. Ça fait longtemps que j'ai pas clean tout ça. Voilà. Ensuite, on a une skieuse et un item. Une dose de PV+, ça c'est toujours utile. Bonjour madame. Geneviève. Oh punaise, c'est quoi ça? Mais c'est ultra violent! C'est mis à bras, il a pris tellement cher quoi. Et le dernier item. Laser glace, punaise. Oui, je prends. Oui, je prends laser glace, bien sûr. Il y a 10 pp quand même. On le garde en stock. On va pas l'utiliser de suite, on le garde en stock. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, on retourne à Voilà Rock. Au centre Pokémon. Comme ça, on récupère Simiabras. Et on enchaîne avec le hangar de la Team Galaxy. Je suppose qu'on va même monter dans le bâtiment. Téléporteur, tout ça. J'aime pas les téléporteurs. Bon, ça va, c'était quand même relativement rapide. C'est par là ? Attendez, non, c'est là. Non, c'est pas là.
Oui, voilà, c'est ici. Bonjour. Une pierre nuit, très bien. Alors là, ça va être le bordel. Il y a un combat là-haut. Je pense que je vais d'abord faire le scientifique et après les... Ouais, d'accord. Alors scientifique... Oh là, le mur, doucement. Bonjour. C'était pas un combat, toi? D'accord, c'était pas un combat, très bien. Eh bien, j'ai pas la... c'est pas la clé du hangar. Utilité sur 20. C'est un équivalent donjon. Hein. Ça reste un RPG. Ça va quand même faire gagner l'XP. Hein. Peut-être que Castorno peut rattraper 5-6 niveaux, je pense. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Voilà la structure. D'accord, donc ça, ça là-haut, je pense que ce sera la sortie entre guillemets du donjon. Deux Pokémon. Ah bah tiens. On se dire qu'il y a le dessous de plat. Un étage, combat ou pas combat? Non, pas combat, une sortie d'escalier, ça me paraissait bizarre. Téléporteur, qu'est-ce que je disais plus tôt? Ok, ça c'est un combat par contre. Bon, gauche ou droite? Je
On revient en arrière, on essaye de droite. Yes. Ça risque d'être linéaire dans ce cas. Oh, ébullition, j'aime bien ça. Si les téléporteurs sont comme ça, je pense que le donjon peut avoir une certaine linéarité, je vais y arriver. Donc là, on a un escalier et un téléporteur et un combat. Ça me paraît bizarre que j'ai besoin que de semi-bras pour moi. Surtout dans un bâtiment comme ça. TP, escalier. TP. On revient en arrière, on check un œil d'escalier. Oh punaise. C'était le TP qu'il fallait prendre. D'accord, c'est pas aussi linéaire que je pensais. Ça m'embête. Il va falloir retenir maintenant tous les passages. Nestor, les scientifiques. Une minute, tu sais. C'est la sortie. Ok. Oh, la clé galac. La clé? Okay.
Maintenant, on prend l'escalier. Donc je crois que j'ai bien fait d'aller de faire l'autre chemin avant. Enchaînement de combat, mais bon, l'XP, l'XP, hein. Ça va avoir mal. Par contre, Castorno, en vrai, il prend pas tant d'XP que ça, quoi. En plénitude, je m'en fiche. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ok, bonne info. Et que la magie, très bien. Tout ça pour éclat magie? Sérieux? Mais... j'ai fait toute la partie du hangar, là. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Il n'y a pas de TP. J'ai raté un truc. Je sais que par le bâtiment du haut il y aura d'autres choses, mais normalement les deux bâtiments sont liés. Qu'est-ce que j'ai raté? Je fais exprès de faire tout le tour en arrière. Pour voir ce que j'ai pu rater. Ça retombe là-bas. Donc c'est directement bâtiment du haut là. Ok. Très bien. Bon, on va en profiter pour passer au centre Pokémon. Hein. Ça me paraît un peu obvious, mais ok.
Je me suis planté de porte. Très bien. Donc TP vert sera la sortie finale. Wow, double combat. Sur les côtés, il y a des choses partout. Bon. Mais non, je voulais double combat. Bon, tant pis. Ça fera un combat un par un. Castorno, ils ont baillé steak, quoi. Il est en vacances. Hein. En double combat, ça serait plus rapide. Hein. Dommage. TP 3 un scientifique. Quel sera le bon TP bien sûr. Régène. Mais après, je dirais d'abord celui-là, sans conviction. Ah ben, c'est la régène. Que l'escalier ce sera vraiment la suite. On va aller là. Il n'y a rien. C'est le TP pour rien. Ok. Même pas d'obligé que dalle. Fais gaffe, il y a des pannes.
va revoir la salle de réunion, de restauration, je sais pas ce que c'est. Une salle de brief, quoi. Ok, donc la régène c'est fait, on prend l'escalier. Là c'est un double combat par contre. J'ai beaucoup de Pokémon là quand même. Un Pokémon. Ah, Léviator double signe à brave. Très bien. C'est Léviator qui prend les dégâts du boom final. Non, Simiabras il a pas pris. Il n'y a que Léviator. Par contre, TP final. J'espère qu'il n'y a plus trop de double combat. Léviator, il va finir KO. 3 TP, bon, on les fait dans l'ordre. Allez, un TP pour rien. En fait, c'était dans l'ordre. Il n'y avait pas à chercher midi à 14h là, c'était dans l'ordre. Très bien. On est déjà sur le... Sérieux ? Attendez à ce que ce soit plus long. C'est pas possible, j'ai raté des trucs. Ah, il me dit que je peux les récupérer. D'accord.
Allez, combat contre le big boss. Trois Pokémon. Non, non, je vais pas changer. Genre, il me donne la Master Ball gratos. Comme ça. Il suffit n'importe quoi. Il devrait la garder, lui, justement. Ouais, c'est une excuse facile, ce qui sort, là. Ouais, bon, bon, c'est ce qu'on fait en suivant. Alors, bon, mais je suis obligé d'aller sauver les Pokémon. Oh, c'est joli, c'est design. Bonjour. C'est très bizarre. Attends, quoi? Ça c'est Criel. Créfadé. Créfolé. Ah, j'ai quand même un combat, d'accord, ok. Bien, Castorno, c'est bien. Alors,
Non, je le prends pas. Oh non, il va m'empoisonner. On les libère. Et ils s'en vont. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a extraits des trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. D'accord. Bon bah on sait où est-ce qu'on va. Allez, on se casse. Et alors, dans l'ordre. On voit s'il y a d'autres objets à récupérer, on va au centre Pokémon, on va pas au mont couronné de suite, on va aller jeter un œil aux trois lacs, voir si on peut attraper les trois elfes, les trois fées créées pour les créées, elfes. Comment on rejette les elfes? Oui, on se casse, je buguais sur le téléporteur de droite. Alors, le centre Pokémon. En vrai, j'aurais pu me TP directement, enfin faire un vol. Ça m'aurait mis direct devant le centre Pokémon, devant la maison. Merci. Alors, attendez, Flimapic, il y a un lac. Bon augure, il y a un lac. L'autre, par contre, c'est un peu plus loin. Que le lac il est là. Je peux pas me TP. Je suis obligé d'y aller à pied. Donc non, c'est bon en fait. J'y vais à pattes. J'y vais à pattes. J'ai pas besoin d'escalader à un moment donné sur la. Gauche. Pardon, je passe. C'est plus. Tu vois les Magikarp en bas ? Ouais, il y a toujours le gang de Magikarp. Bah. Mais ils sont pas censés être là de suite ? D'abord aller au mont couronné. Oh punaise. J'aurais voulu les avoir avant. Bon, pour aller au mont couronné ici, je sais que je peux pas passer par là. Donc je dois passer par ici. Il me semble qu'il faut que j'aille à Union Police. Mais avant ça... J'aimerais bien faire un tour à Félicité s'il n'y a pas des applications Pokémon à récupérer. Et après on retourne à Union Police.
Mon Dieu, quel bordel. Non. Ça me paraît bizarre. J'ai déjà tout récupéré ? Ok. Par où on passe ? Forcément un chemin avec l'escalade, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je disais? Oh punaise, ou pas? Ou pas, faut passer par dedans? Faut passer par dedans. Oh là là. Ouais, c'est fatigué, pardon. La fermeté. Punaise, faut vraiment passer par dedans le mont couronné. J'aime pas les grottes. Je vais perdre tellement de PP, de vie et tout. Je suis sûr qu'il y aura rien pour me régénérer entre temps. Niveau 14, en plus, voilà l'XP que je vais prendre. Pouf. 15 fois moins que ce que je prends sur un autre truc. Quoi. Bon, c'est pas ouf.
niveau 15, ouais, non, c'est bon. Je reviens sur ce que j'ai dit. Si c'est en dessous du niveau 20, je prends pas l'XP. Alors, faut pas se planter là. Hop là, c'est bon. Ce labyrinthe. Alors le caillou à gauche, il y a un objet. Voilà. Un archéodong. Je l'ai déjà croisé ou pas? Non. Mais tant pis, c'est pas grave. Enfin, peut-être que j'en ai croisé, mais j'en avais pas capturé. Sorti sur la... C'est le vrai chemin? Non. C'est pas le vrai chemin, ouf. Je crois qu'il y a un item... Ouais, voilà. Qui nous faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est bien par là-haut. Un gravalant, génial. Très bien. Bon, ça a quand même l'air d'être linéaire en vrai. Non! Oui,
dégoûté. Dire le contraire. Non, pas destruction. Ok. C'est une ascension, il faut monter, donc on descend. Il a fini. Il y a un cinquième. Voilà. Ouais, ça fait 5. Une petite destruction gratuite là. Non, c'est bon. Ça va. On se rapproche. S'il y a des sbires, c'est qu'on se rapproche. Elle s'est tournée en même temps. Mais j'y crois pas, quoi. Pas suffisant, mais c'est... Il faudrait qu'il monte 60 castorneaux en vrai. Enfin, comme tous, hein.
pourrait pas régénérer avant le avant la, la dernière montée. Première fois, aspect. Oula, un nouveau genre. Bonjour. Alors d'ici, je vois pas ton pseudo. Melio. Bonjour, bonsoir, je sais pas. Bonne nuit, Melio, j'en sais rien. Selon le fuseau horaire. Bienvenue, installe-toi. Bienvenue, t'es sur la chaîne Diva Sound Studio, une petite association du sud de la France. Et pour ma part, je suis Jake, et j'essaye tant bien que mal d'avancer sur cette fichue aventure Pokémon Diamant, au secours. J'en peux plus. Je n'en peux plus de cette aventure. Trop de Pokémon dans les grottes. Melio, c'est ça, d'accord. Comment vas-tu? Je commence à fatiguer, je le reconnais. Mais il y a une belle avancée, donc faut continuer comme ça. Alors attends, je réfléchis vers où je vais passer. Soit je me tape des herbes, soit je m'en tape pas. Bah le choix il va être vite fait. On va pas s'en taper. Oui, on utilise l'escalade. Donc, bienvenue sur la chaîne Diva Sound Studio Mitasso de la France comme je l'ai dit tout à l'heure. On fait du stream gaming. Mais pas seulement du stream gaming, c'est comme ça, c'est gratuit. Sinon aussi on fait des ateliers d'éducation média, de redynamisation sociale, autour d'ateliers radio, de l'outil de la radio. Mais comme on aime le jeu vidéo, on s'en sert pour plein de choses. Voilà. T'en es où dans l'aventure? Là je suis sur l'ascension du Mont Couronné, j'ai eu mon 7ème badge. Et je suis aux trousses, le boss de la Team Galaxy. Pour et vu qu'il a envie de détruire le monde, je vais supposer très sincèrement, très certainement, qu'il est à la recherche de Palkia ou Dialga. Alors, attendez, on est sur Diamant, donc Dialga. Encore une grotte? Attends. Ouais, donc ça c'est la grotte là, c'est la grotte qui suit en fait. Donc non, je sors de là. Non, je sors de là. Et là il y a un est. Mais il y a trop de choses à faire, donnez-moi une carte. Je vois ce que t'en es. Tant mieux, ça m'arrange. Il y a une grotte aussi sur la gauche. Mais là il y a plein d'herbes partout. Bah oui, il y a plein d'herbes partout, forcément. Allez, l'archéodong. Faut vraiment que je m'occupe de Simiabraz à un moment donné. Il tiendra pas jusqu'au bout. C'est pas possible. Il y aura personne qui va me soigner entre temps. C'est quoi ça? Et je me prends le dernier PV de la tempête, sérieux. Allez, au revoir Simiabraz. Voilà. Au revoir. Au revoir. En vrai, go Castorno, hein, il a besoin d'XP. Hein. Bonne chance pour la ligue. Merci. Merci. Mais comme j'avais déjà dit un peu plus tôt, la ligue. Vu les arènes, je les trouve vraiment simples en fait, en termes de combat. Même si ils mélangent les types et que ça se perturbe un peu. La ligue, je me dis que ça peut être dans la même idée avec un challenge supplémentaire. Donc, ça va être chiant, mais ça devrait passer. D'accord, le joystick qui décide de. La ligue, ça va être long, mais ça devrait passer. Mais pour ça, par contre, j'ai besoin de rattraper l'XP sur certains de. Pokémon de mon roster. Parce que là, dans mon équipe, c'est quasiment le roster final. Hein, en vrai. Je vais aller à la ligue avec tout ce qui reste. Hein. Bon, avec Simiabraz vivant, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas drôle. Tiens, on n'est pas essayé ça. Cynthia est vraiment dur à battre. C'est ce qui paraît, ouais. Ce qui me fait peur de Cynthia, c'est. Elle a un Pokémon un peu dragon vert de terre moche. Là. Je sais qu'il est chiant celui-là, j'ai oublié son nom. C'est un des Pokémon mystiques d'un New Pokémon Snap.
Comment il s'appelle? Je sais plus. Non, mais attendez, faut passer par où? À gauche ou à droite? Je sais plus. Tritosaur? Non, non, pas Tritosaur. Tritosaur, il est chiant parce qu'il fait des séismes. Non, non. Bon, là, ça a l'air d'être la vraie suite. Bon, mais je reviens en arrière, alors. Je raterai pas un pet d'XP sur les combats. J'ai pas cassé. Pas Tritosaur, c'est... En vrai, c'est un Pokémon qui est assez beau. Karchakrok. Karchakrok, il est... Il me fait pas si peur que ça. Karchakrok, c'est les attaques sol qui vont m'embêter, surtout sur Cinabras. En fait, je pense que ça devrait être... Non, c'est pas lui, c'est... En vrai, c'est un beau Pokémon. Dégueulasse, rampant, parce que moi, j'aime pas les Pokémon rampants, mais... Tout ça pour une pépite, sérieux. Non, mais objectivement, il est beau. Il est de couleur un peu vert, pastel, sur la queue, un peu rose, peau sur le dessus. Il a des yeux magnifiques avec des petits trucs, là. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, le retour du Gravalanche. Je te jure, c'est ta fermeté ou destruction, toi. Milobellus. Oui, c'est ça. C'est Milobellus. C'est ça. Allez, au revoir, Gravalanche. Ça, c'est fait. À gauche, c'est Cascade, on est d'accord. Attends, hop. Position des rochers. Tac. Voilà, petit champi. Position des rochers derrière aussi, d'ailleurs. Hop là. Au début d'aventure, j'avais eu un racaillou shiny en... Bravo. Franchement, bravo. Et voilà, l'objet. Tac. J'ai pas... Je l'ai pas. Ça sera avec le 8ème badge. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-haut alors dans ce cas? Je vais pas revenir ici après le 8ème badge juste pour monter une cascade. Hein. Il y a intérêt à ce qu'il y ait un beau truc. Hein. Punaise. Racaillou qui t'a bien servi? Bah Racaillou, Gravalanche, Grolem, c'est quand même un bon Pokémon sol, bien tanky, sac à PV. Ouais. Mais attends, j'y pense là, mon Léviator il a cascade, j'ai pas besoin de... On va essayer. Ah punaise. Dégoûté. Bon. Continuons. Oui, tout ça pour ça, quoi. Y'a rien. On se casse. Qui est max vitesse en plus. Sérieux, le racaillou, là? Mais GG. Est-ce que je reste si bien brase maintenant ou pas? Non, hein. Pas pris de combat dans l'herbe. Faut que je dise ça pour que je prenne un combat dans la grotte à l'entrée, quoi. Allez, l'archéodongle, le retour.
Après le 12 Gustav, on a la cloche de Tab. Oh punaise. Bon ça va, j'ai eu peur. En général quand il y a une attaque à grosse cinématique, ça me fait toujours mal. Donc, j'ai un peu peur. Mais ça va. En attendant, si Miabra se prend pas d'XP, hein. Tant qu'il reste KO. Que j'étais. Je crois que j'ai deux rappels. J'ai deux rappels, je crois. Donc, j'ai trois rappels max. Et j'ai cinq rappels. Ce serait bien que je garde les rappels max pour la ligue. Kadabra ne pourrait pas soigner. Ah bah non, il se soigne lui-même. Oui, ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. On va le soigner comme ça. J'ai rien en fait. Bon, on va y aller comme ça. De toute façon, les potions, c'est pas celle-là que je vais utiliser pour la ligue. Voilà. Tac. Pas d'objet. Ma team, c'était Roserade, Pingoléon. Ah oui, donc t'avais pris le Sartre. Grolem et les câbles, Gardevoir et Corbeau. D'accord. Un peu de tout. D'accord. Bah là, du coup, Miabraz, pour ma part, Léviator, Melocric, Luxray, Kadabra. Et Castorno qui va être un peu en mode multi-outil. Il va servir pour les quelques grosses attaques, donc très peu de PP, mais des grosses attaques sur vraiment plein de types différents, enfin 4 types différents. Mais pour l'instant Castorno est en retard du PP parce que j'avais un 9 à faire éclore. Et donc c'est Castorno qui a été sacrifié sur l'XP. Et là il a vraiment un retard. Et forcément je le mets pas en début de team, même si ça serait le plus intelligent à faire. Mais non. Je continue de monter mon Simiabras, le booster au maximum. Quelques années avoir fait l'aventure Pokémon première génération Pokémon rouge avec mon Salamèche. J'avais boosté que le Salamèche, j'avais fait à l'époque la ligue que avec Draco. Enfin, il y avait d'autres choses dans la team, mais je l'avais tout fait quasiment avec Draco sans problème. Mais il était overpété. Mais j'ai fait un pas, sérieux. Non mais l'archéodon quoi. Je commence à avoir des soucis sur la roue de feu moi.
J'avais pas vu le follow, pardon. J'ai pas les écouteurs dans les oreilles pour écouter les notifs du stream. Mais je jette un oeil. Merci pour le follow, c'est très gentil. Merci beaucoup. Hop là. Non, je peux pas parler. Au revoir. Y a encore un combat et après c'est la sortie. Pas sûr. D'économiser les routes, voilà. Mais d'où, mais ça va, il m'enlève un tiers de vie gratuit, quoi. Mais c'est chiant ces talents là. Allez, Simiabra 60, c'est bien. Non, cela me fait vraiment en dernier recours. Faut pas qu'ils utilisent. Enfin, pour le moment, elle a dit que ce serait une autre affaire. Castorno 45, c'est bien. Bon, alors, au-dessus de la cascade, il y a donc une grotte. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas un item là-haut. Non, il n'y a pas d'item. On va dire qu'il n'y a pas d'item. Très bien, plein de choses à casser. Je vois pas pourquoi il y aurait des objets là, spécifiquement. Pas d'item. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je crois pas. Yes, allez go. J'ai rien pris dans les hautes herbes, je suis content. Je prends rien dans les hautes herbes, mais dès que je passe la porte de l'entrée de la grotte, la porte de l'entrée de la grotte, c'est pas de problème. C'est direct, ça aggro. Mais même point boost, je suis à 10 sur 20, c'est même pas drôle. Bon bah go, hein, une danse flamme. Sérieux? Bon, ça va, c'est 3 PV. 3 PV de trop, quoi.
J'ai juste fait 3 pas en avant, 2 en arrière. Oh, Charmina. Charmina, faut peut-être que j'essaie de capturer ça, vu que j'ai un échange contre un spectrum à faire dans une des maisons. C'est le Primapi. Oui, c'est ça, Primapi. Par contre... Il y a 20 niveaux d'écart, j'ai peur. Oh, ça passe. C'est quoi, ça, occupation? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Il y avait marqué... Punaise. Il y avait marqué pas efficace, quoi. Les gars. Bon. On fait ça dans quel ordre? Apparemment pas celui-là. Il reste un PV. Braz a besoin de soins. Du Gravalanche. Qui résiste, forcément, hein. Non, papier titol, non, 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 non. Je suis bien content de l'avoir soigné, hein. Sinon, c'était un simiabras en moins, là. Fais ton pied tout seul, vas-y, vas-y, fais-le. Voilà. Original. Hein?
Il y a un combat. Hop, hop, hop. Il y a un combat. Hop, hop, hop. On va pas laisser notre héros tout seul comme ça. Allez, c'est Miavraz. Ouais, ça ira, va. Trois Pokémon pour le Last Beer de la Team Galaxy. Vraiment la dèche de PP par contre. Combat de fait. Ça m'étonnerait que ce soit dans par là quand même, il y a beaucoup trop de. Il y a trop d'herbe sur la gauche avant l'entrée de la grotte pour me dire que c'était pas là. Il a évité l'attaque, pardon. Dernier. Je vais pas avancer dans cette grotte. Hein. Quoi ça?
Oh, une guérison. Ça, oui, je suis content d'avoir. Je peux descendre. Une pépite. Oh, alors là, celle-là, faut aller... Ok, d'accord. Faut cliquer partout pour l'avoir. Le retour du Gravalan. La fermeté. Et oui. Elle est là dès le départ. Je sais pas. Et pas d'objet. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me bloque le passage? J'ai fait tout ça pour rien? Oh, il a résisté. Allez, ça c'est fait. Pas cool ça. C'est vraiment pas cool hein. J'aurais dû acheter des potions en fait. Je me souvenais pas que cette partie du jeu était si... Parce qu'elle faisait si mal quoi.
Bon. Après, ce qui se passe au mont, là-haut du mont couronné, je redescendrai là quand même au cas où. Il y aura peut-être quelque chose. On verra. Regarde bien la carte, enfin la carte dénivelé, un truc en bas. D'accord, un gros champi. Ah ben le retour du Charmina. Est-ce que j'essaierai pas de l'attraper? Un point de vie. Et j'ai 0 point de vie. Allez, ça c'est fait. Voilà. Et là, on va essayer de lancer les hyperboles à partir de maintenant. Tout ça pour aller l'échanger contre un spectrum par la suite. Je fais juste ça pour ça. Bon, il a voir dans le Pokédex, mais... Oh punaise, par contre, s'il y a la tempête de grêle qui s'y met, j'ai le droit à un essai. Faut que ça passe. D'accord, capture critique, parfait. Des fois, le jeu, il écoute ce qu'on dit. On est espionné par le jeu. Bon, j'ai plus de simiabras là, sous les mains. Je viens d'ici. Attendez, je réfléchis. Attendez. Je pouvais descendre sur la gauche. Il y a plein d'herbes. J'ai fait le choix de passer par là. Il n'y a rien. On est d'accord qu'il n'y a rien. Et là, il y a la grotte. Passer par le haut, c'est juste... t'es gentil, par contre, j'ai pas fini de faire mon analyse. Nul peut-être, mais c'est une analyse quand même. Il n'y a pas d'objet, on est d'accord. Pas l'impression. Non, il n'y a pas d'objet. Donc on peut aller dans la grotte. J'ai quand même besoin d'un simiabras, donc ça m'embête. Ouais, go, j'en achèterai. On va sauvegarder, ça fait longtemps, hein, on sait jamais. Ah oui, c'est vrai que je viens de rentrer dans la grotte, donc ça va auto-sauvegarder. J'avais oublié ce détail.
Non. Ultra laser, ça me fait permettre de faire 150, mais par contre que je passe un tour. Donc en gros, c'est faire du 75, quoi. Pardon. Ah. Je l'ai pas senti venir celui-là. Ah. On est sur de la remontée. Il y a un item. Tu m'étonnes qu'il y a un item. Bien sûr qu'il y a un item. Tour. Regardez, l'emplacement des cailloux, ça vous dit où sont les items. Toujours faire ça. Ouais, mais le truc c'est que j'ai plus d'épée là. J'espère qu'en haut du mont couronné, il y a un truc qui est... quelqu'un qui va me faire. Hé, tu sors d'un long trajet, je vais venir te heal. J'espère que ça va être ça. Parce que sinon. Non, ça peut être que ça, j'ai pas fait tout le trajet. Quoi, ces Pokémon à qui il reste 3 PV? Allez, c'est qui le suivant? Nosferatu. La fin. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Eoko. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un pompon de rideau. Ah ok, c'est l'évolution de... Corillon, non? Je crois qu'on en a parlé en début. Est-ce que j'essaierai pas d'attraper pour changer un peu? Il est pas assez KO, enfin pas assez. Il lui reste pas mal de vie. Mais... je pense.
Oh bah écoutez, en deux hyperboles, ça c'est fait. J'aime bien son petit Pokémon carillon. Bah oui, ils sont pas embêtés, au lieu de faire un bruit en chiptune, en 8 bits ou 16 bits, ils ont juste enregistré un carillon quoi. Allez, combat. C'est long, mais c'est long. Je sais pas, j'adore la série Pokémon et en même temps je la déteste juste pour ça. C'est long, c'est tellement long. Il y a des combats tous les trois pas quoi. Allez, le retour du dessous plat. Je vais vraiment me faire un dessous plat en Archéomir. Ou l'inverse, un Archéomir en dessous plat. Allez, c'est ma dernière route feu. Non, 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 c'est mes biras. Non, tu fais pas ça. Tu attaques. Hein. Bon. Oh, punaise, enfin. C'est ça? Un combat. J'ai plus de PP, j'ai plus rien, c'est pas fini. Attendez, il y a un double combat, il y a un autre double combat plus loin et après il y a le boss. J'ai plus rien, j'ai pas de PP, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? 2 et 2, ok. Bon, Léviator, il va falloir faire le taf. Hein. Surtout qu'en plus il reste 60 PV à Simiabras quoi. Non, bon ça va, c'est Léviator qui prend. Heureusement. Dans les doigts. Ça passe pour le Chaglam, mais j'ai peur pour que le Cradopo ça passe pas. Et Cradopo il va s'en prendre à Simiabras. Oh punaise, ça passe. Bon, sont où mes alliés là?
On est sur un boss avec des admins. Normalement, il y a même le professeur qui intervient. C'est pas possible. Pas des items. Vraiment que je fasse les deux admins. Ah, cinématique. Ah oui, carrément. Je me casse. Je peux même pas me barrer, ça arrive. Bon. Alors, sac. Tu fais une potion qui traîne. PP, encore une fois. Attendez, est-ce que je peux... Au cas où... Ok, c'est ça. Je peux pas utiliser le vol, je suis bloqué ici. Donc, on sauvegarde. Ah bah tiens! Punaise! Il était où lui? Six Pokémon. Deux Archéomires. Voilà ça. Plus rien. Ça va être long. Mais pour ma pomme en plus. D'accord, le Goinfrex. Voilà qui nous empoisonne. Allez, les deux en plus, hein. Sinon c'est même pas drôle. Eh oui, bah oui.
théorie, parce que là, du coup, je vais... c'est même pas une question de PV ou d'XP là. C'est... j'ai pas d'item. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai oublié, j'ai pas les PP de... dont j'ai besoin sur ce Niabras. Là, j'ai mal joué. Là, pour le coup, j'ai mal joué. Ah, on pourrait sortir Melocri quoi. Ou Luxray. Je préfère sortir Luxray à la limite. On sortait Luxray. Il a lance-flamme ce truc? Dire au revoir à Gwynfex. Hein. Sauf si Robert décide de faire quelque chose. Mais... j'y ai cru. J'y ai cru. Plus ils ont eux des items. Génial. Ça promet contre contre Helio. Allez, un partout, ça fait un. Il en reste deux chacun. Une. Au revoir, Gwynfrex. Pas bon signe. Il va me viser moi vu qu'à côté c'est un Pokémon bug. Putain, il nous rôde de... mon dieu les dégâts. Punaise. Allez, au revoir. Non, boom final, sérieux. Allez, le tunnel, c'est pour moi. Bon, ça va, j'encaisse. Oh là, le Luxray par contre. Il était vénère là. Allez, l'oiseau, vise le chat. Voilà. Par contre, il baisse énormément sur la défense spéciale. Et il fait des dégâts, mais il baisse énormément la défense spéciale. C'est normal qu'il prend lui-même énormément de dégâts. Allez, au revoir, Nosferatu. Dernier. C'est bien.
Allez, fin du combat. Dis-moi, Robert, que tu vas me heal, s'il te plaît. Non mais il se barre quoi. Et pendant ce temps, Dialga et lui là en mode fin du monde. Ils regardaient, ils étaient spectateurs de notre truc quoi. C'est joli. Ils ont libéré Dialga. La chaîne rouge, elle s'est désintégrée. Pourquoi Créfolé, le Pokémon du lac Vérité, est-il apparu à tes côtés? Ma galaxie a disparu. Je capturerai à nouveau ces trois Pokémon et je forgerai une nouvelle chaîne. Je vais te pulvériser. Allez, gros combat. Quatre Pokémon. Sort boss. Nouvelle entrée dans le Pokédex. J'ai tous mes pépés, oui. Robert a été utile. Non, pas ça. Si je suis KO, je dois me retaper deux gros combats. Léviator ? C'est juste un Pokémon haut quoi, si Miebraz il apprend à faire. Donc Miebraz aux abris. Là faut jouer strat hein. Donc faut jouer comme la ligue là. Faut jouer strat. On peut pas y aller tête baissée. Allez, on s'intimide l'un l'autre. J'ai 10 niveaux de plus. Pourquoi il fait ça? C'est idiot. Ah d'accord, c'est pas idiot. C'était pas idiot. Non, pas séisme. Ok. Normalement, j'ai plus besoin de flash. D'accord, normalement, j'ai plus besoin de flash. Guimauré. Et ténèbres.
Mais. Bah, tu veux faire quoi pas rien là. D'accord, c'était pas du tout ça. Ok, j'ai pas envie de dire au revoir à Lucie. On va y aller avec Kadabra. Sans condition. Non mais il va pas faire ça à tout. Ok, je vais au secours. Des tunnels. J'ai bien fait. Bon choix du Léviator. Génial. Oh, il m'a piqué ça. Le demander. Notre enfer. Yes. Ah yes. Et il se barre. Très bien. Bon, écoutez. Ah, bonjour le professeur. Je savais bien qu'il allait intervenir à un moment donné, quoi. Voilà donc Dialga, le maître du temps. Impossible de dire s'il est triste ou en colère. Okay. J'ai l'impression qu'il t'attend. Il veut me mettre à l'épreuve. Ok. Vous voulez pas me heal ? Apparemment. Eh bien écoutez, bonjour. Attendez, c'est ça la musique pour le Pokémon légendaire ? Sérieusement ? C'est pas épique ni rien du tout, on dirait une musique de clown.
Voilà, là c'est déjà plus un truc. Oh là là, au secours, Dialga, on va pas s'embêter, je vous dis direct. Hop là, Master Ball. Sans combattre. Là je réfléchis même pas. On vient de galérer sur beaucoup de combats. Fallait bien qu'elle serve de toute façon. J'ai même pas vu de quel niveau il était en fait. J'ai même pas regardé. Oh là là! Tu as battu Dialga! Tu l'as attrapé surtout. Sauvegarde. On re-sauvegarde au cas où. Bon, alors. J'ai pas la truc cascade. Attends, je peux pas partir de là, on est d'accord, hein, je suis obligé de refaire le tour. Ah bah ils sont barrés eux, d'accord. Okay. Allez, arrive à Mar, prochaine étape. Mais oui, c'est ça. Je suis obligé de faire le tour. Faut que j'aille au moins dans les herbes tout à l'heure. Oh punaise, il y a encore des combats quoi. Il est pas KO. Ah. Oh punaise. Mais non. Très bien. Castorno 48, c'est bien. Non, on les garde. Dialga, on n'a pas regardé son niveau, pardon. Pardon. Je m'attendais à mieux. Il va falloir soigner par contre le petit singe. C'est tout ce que j'ai. Parce que j'ai pas repassé en ville de suite. Il y a une grotte à vérifier. Par là. C'est par où ? Sérieux, de nouveau escalader. Ils sont tous barrés. Ça veut dire que c'est bon. Je pense. J'espère.
punaise. C'est pas le moment là, les Nosferatu. Et il lui reste 3 PV quoi. Et il m'empoisonne. J'ai pas de... Ouais. Sérieux ? Esquiver les dégâts du poison. Changer de Pokémon. Ok, d'accord. Il va faire ça sur... tout ça parce que j'ai décidé de capturer un Nosferatu. C'est n'importe quoi. Allez, le jeu, là. Pourquoi c'est lent ? T'as 3 PV, Nosferatu, 3 PV. Punaise, il était temps. De prévention quand même. Si c'est bon, j'ai des antidotes. Voilà. Et ensuite sur Simiabraz, le pauvre. Et il aura vraiment pris cher Simiabraz aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte là ? Dracogriffe, oui. Je prends. Je retombe ici ? Je viens d'utiliser une potion max pour rien. Mais vraiment. Bon, il faut aller à Rivamar, mais je vais pas y aller de suite, hein, je vous le dis. Je vais me soigner, je passe aux trois lacs parce que je souhaite y passer. Et ça sera la pause YouTube. Et peut-être l'arrêt de Twitch. Il faudra faire d'autres sessions. Je pensais finir aujourd'hui, mais en fait non. Le matin se lève. Bon, ça c'est fait.
Hop là. On va faire le tour. En espérant pas croiser de Pokémon sauvages. J'ai mis un orteil dans l'eau, quoi. Un orteil. Là, ici, hop, 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 voilà. Alors, un item. Un item, un item, un item. Oh non, ça c'est un castorno, c'est pas un item ça. C'est un quenotor en plus, c'est pas mieux. Au niveau 2, allez, au revoir. Ah voilà. Déflagration, oui, je prends. Allez, direction la grotte. Il est là. Regardez comme il est tout mignon. Effolé. Ah, il clignote. Bonjour. D'accord. Bon. Alors. On va y arriver. Donc en bas à droite de la Pokémontre, c'est là où je suis, c'est là où il y a le lac. Et là, ça me dit où est-ce que se trouve Créfolé. Sauf que au moment où je vais bouger de région, lui, il changera aussi. Et il va falloir que je m'amuse à spam changer de région, jusqu'à ce que je tombe dans la même région que lui, un peu par hasard. Et après. Et après. Faut combattre avec lui en espérant le capturer. Et ça va être long parce que je crois que c'est lui, si je me souviens bien, que dès que je lui mets une attaque, il se barre. Un peu comme Abra. Donc, en attendant, direction Frimapic, on va aller chercher l'autre. Oui, d'accord, il est à l'opposé, quoi. Ah, il y a ça aussi, punaise. Non, ouais, si. Ah,
regarde un truc dans mon équipe et la boîte PC. Alors, équipe. Boîte PC. Il n'y a pas de spectre, hein, d'accord. Il y a un Fantominus. Bon, allez, je vais lui donner le Charmina. C'était dans une des maisons d'en bas, je crois. Ou alors c'est une des maisons de Primapi. Je sais plus. J'ai un doute maintenant en vrai. Hop là, allez. À nous deux. J'espère que j'ai assez d'hyperbole. Niveau 50. De suite. C'est quoi ça? D'accord. C'est Crofatal la moitié. Ouais. Non, 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 pas ça, pas ça. J'ai eu peur que ça m'enlève moi une capacité. On va même le refaire. Et on s'arrête là. Et là, hyperbole. Ah ouais. Carrément. Désolé, 409.
avoir du mal à aller plus bas. Hein. Mais c'est pas possible. Mais... J'ai combien de chances de l'attraper en fait? Pourquoi? Au revoir, Casporno. Ça bouge même pas en fait, c'est... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai rien pour les endormir en plus. Que j'ai pas 300 pour hyperbole. Niveau plus élevé que Galga. J'hallucine. Faux espoir. Il est en train de démonter tout le monde. Hein. Mais... Sérieusement quoi?
Je pourrais lui faire aucune attaque, sinon je le mets KO. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une autre balle. Une honor ball. Non. Non. Oh, 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 doucement. C'est énervant. Hein. Vraiment énervant. Allez, voilà, Luxray, voilà, ça c'est fait. Merci. Heureusement qu'on voit le choc. Il faut faire ça pour le deuxième. Punaise. Une soin ball. Non, c'est pas une soin ball. Au revoir, Luxray. Même pas? Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive, un Pokémon qui endure deux fois un coup, qui du coup sur le deuxième coup ne prend pas un point de dégâts. Mais... Je suis à combien là? Je suis à 15, 16 essais. Trois fois il endure le choc. Mais il est parfait ce... On avait combien? 25, c'est ça? Il a pas envie, hein? Les meilleurs taux de capture dans ma situation. Hyper ball, bah, c'est ce que je spam. Sombre ball. Ouais, chrono. Vaut mieux endormir ou paralyser. J'ai rien tout ça, moi. Oh, excusez-moi. Non, pas, pas, pas. Il me reste deux hyperboles. Allez, c'est la dernière. Faut lui demander gentiment. Petit Pokémon légendaire tout mignon, veux-tu bien accepter de rentrer dans la balle que je te lance? Il veut pas. Ne. Nope. Pas quoi faire des honor balls, de toute façon, autant les utiliser. Hein. C'est vrai qu'il y a lutte. Ouais. Au pire, s'il est KO, c'est pas grave. Il y a moyen de le faire repop. Alors, sans utiliser la technique. Quitter sans sauvegarder, etc. Il y a moyen. Hallucinant. Sur Perle, j'ai pas eu tout ce problème là sur les trois elfes.
secours. Bonjour Ichiro 974. Bonjour, bon matin. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Bon matin quand même. Ici, il est 7h du matin. 974, c'est la réunion ça. Il me semble. Bref, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Diva Sound Studio, une association du sud de la France. Je suis Jake et je tente tant bien que mal d'attraper un Pokémon légendaire au secours. Mais sinon, l'assaut fait du stream gaming de temps en temps et d'autres choses hors stream. Voilà. N'hésitez pas à visiter le site et rejoindre les Discord, etc. Pour l'instant, j'essaye d'attraper un foutu Pokémon légendaire. Ah, la réunion, il est 10h05. Ah oui, oui, il y a un monsieur. Oh punaise! Sur une Super Bowl, quoi. Allez, Edin. Oh. Rien que pour ça, je te mets pas dans l'équipe. Bon. Je suis à Frimapic. On va se rapprocher du troisième lac. Donc on va avoir la rock et on passe par le centre Pokémon et le magasin. Parce que là, j'ai plus rien en bol. J'ai rien du tout. Quoi. C'est grâce à moi. Ouais, c'est grâce à toi, Shiro. C'est grâce à ta venue. Merci beaucoup. J'avoue quand même la coïncidence. C'est grâce à toi. Bon, tout le monde est heal. Parfait. Maintenant, il faut aller au magasin. Je suis en train de reset Articodin pour l'avoir en shiny. Ah ouais, ah oui, non mais là par contre... ça, c'est... Je regarde faire. Moi, je fais pas ça. C'est, il faut avoir une patience énorme. Vraiment. Bon, il est où le magasin? Vraiment avoir une patience énorme. Punaise, c'est vrai que c'est un centre commercial ici. Allez, shiny, ça je fais pas. Alors, des poké, il m'en reste 11. Super, on va en reprendre. On va pas en prendre, on va prendre que des hyper. Beaucoup d'hyper. Genre 40, ça devrait suffire. Ensuite. J'y pense, là, il n'y avait pas des PNJ qui m'avaient demandé une Poképoupée. Ça me parle. Tout ce qui est items, potions, etc. Je m'en passe pour le moment. Ouais, on va s'en passer. C'est très long, mais quand tu l'as, tu es très très content. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, ça, shiny. Une chance sur 4096 ou 2048. Quelque chose comme ça. Non, je fais pas ça. Je suis déjà tombé sur des shiny complètement par hasard. Mais il est hors de question que je fasse la chasse aux shiny. Bon, direction le troisième lac, en espérant capturer le troisième Pokémon légendaire. Sachant que le premier il se balade hein, sur la map, là, on le voit clignoter à gauche de la minimap, de la Pokémon. Pour l'instant, on s'en fiche. Comme on dit, la patience est toujours récompensée. Exactement. Je suis très patient, mais sur ça, non. Ça... Sinon, le Poké Radar, c'est beaucoup plus simple et moins long et chiant. Le Poké Radar peut indiquer les shiny, sérieux? Mince, non, la grotte, elle est là. Une minute. L'eau est revenue. Alors qu'il n'y avait pas d'eau. Explication du scénario, s'il vous plaît.
m'emmerder les psychopouacs là. Fatal foudre. Je prends. Il y a un truc ici. Non, il y a rien. Je me suis fait eu. Au bout d'une chaîne de 40, tu peux tomber sur une herbe avec des étoiles. D'accord. D'accord. Ah oui, ça peut bien faciliter les chasses aux shiny. Ouais. Pour vraiment la personne qui, enfin, je sais pas s'il y a déjà des gens dans, le... enfin, si, il y a sûrement des gens dans le monde qui ont fait ça, mais faire tout un Pokédex en shiny. Rien déjà que un Pokémon pour. Alors 150. Regarde les tutos Pokéradar sur YouTube. Ouais, par curiosité, j'irai jeter un œil. Mais... j'irai pas chasser du shiny pour autant. Enfin, volontairement en tout cas. Et là, un shiny qui pop au prochain combat. Prochain combat, c'est l'elfe, hein. Donc si lui il est shiny, au secours. Bonjour petit elfe. C'est une technique à maîtriser et pas mal de tutos sur YouTube. Alors, en fait, les tutos, il y en a partout. Bon, est-ce que tu vas me poser autant de problèmes avec autant de bols à lancer, toi? Allez, on tente. J'ai peur. Hein. J'ai sauvegardé quand? Oh, ça va. Pas efficace. Pardon? C'est mon main. Sérieux? Je te conseille la sombre bol. J'ai fait le plein d'hyperbol, j'ai fait le plein de rien d'autre. Les trois esprits sont psy, le combat sera jamais efficace. Mais je cherche pas à ce que mes attaques soient efficaces en fait. Voilà, je cherche à le descendre. Maximum de PV, mais sans, mais en y allant doucement. Bon, maintenant que ça c'est fait, on sort Castorno. On va sur le croc fatal. Là, il a 2 PV, on est d'accord. Techniquement, il pourrait refaire un coup. Ouais, on va pas prendre de risque. 2 PV.
Là, c'est le spam. Là, ça va être. Si les 40 hyperboles y passent, elles y passent. Au revoir, Castorno. Très efficace, tu parles. Oh, j'avais pas vu le follow, pardon. Merci Shiro pour le follow, c'est gentil. Bah écoutez, quitte à avoir des Pokémon KO, hein, Simiabras. Hein. Vraiment que je configure un nouveau bot sur le chat pour savoir où sont les follows quand on ne fait pas les écouteurs dans les autres. Hyperbole encore. 1, 7, 30, il m'en reste un 3. C'est pas une. Au revoir, Simiabras. Voilà. Non, 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 non. Le spam du bouton, punaise! Je le sais en plus, je le sais! Je le sais qu'il faut pas que je spamme le bouton, je le sais! Et voilà, ben ouais, c'est ça, hein. Et là c'est pour le réavoir, c'est après la ligue. Bon, ben, en centre Pokémon. Ouais. Punaise. Je vais m'attacher les doigts, je pense, pour arrêter de spammer les boutons. Hein. Et je jouerai avec le nez sur la manette, c'est pas grave. Faut que je suis capable de spammer les boutons avec le nez, quoi. Il y a l'autre qui est en bas par contre. Il est en bas. Il y a moyen peut-être de l'avoir. Bah non, je passe. Non, bah non, 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 c'est mort. C'est mort. C'est mort. Il a bougé, hein, qu'il a bougé. Il a pas bougé? Oh punaise. Il a pas bougé. Si je rentre en combat, il bouge par contre. Attendez. Il est au-dessus de moi. Il est en dessous.
Punaise, il... Je te déteste. Bon. Quand on luxerait à prendre Drakage éclair, ça sera plus simple. En vrai, je pourrais presque lui apprendre maintenant. Enfin maintenant, j'y pensais plus tard. Il est où? Il est loin là. Oh, il y a des choses à récupérer. Je l'avais pas fait ça. Alors attendez, escalade. Il y a un truc là. Et après... Je vois pas où c'est. Ah là, ici. Sur la droite. C'est bien planqué quand même. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Et là, c'est une potion. Non, c'est des vos rêves. Très bien. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, je suis fatigué. Et la journée doit commencer. Donc, pour les nouveaux, merci pour les follow. Je rappelle que Kiva Sound, c'est une chaîne associative. Moi, je suis Jake, on est plusieurs sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous informer de tout ce qu'on peut faire en stream et hors stream. Hors stream, on fait notamment des ateliers d'éducation média, de sensibilisation et de redynamisation, de resocialisation autour des outils de la radio. Et du monde culturel au passage. En stream, on sait surtout du jeu vidéo, mais pas seulement, on fait aussi d'autres choses. Selon nos goûts. Mais toujours avec des bonnes raisons de stream. Pour bien prouver qu'on peut jouer à un jeu vidéo sans péter un câble. Même si on peut rager un peu et être frustré, on peut jouer à un jeu vidéo sans péter un câble. Notamment, et tirer des compétences d'un jeu vidéo à mettre sur un CV. Et ça, c'est pas des blagues, c'est vrai. Donc, suivez... Rejoignez le Discord. Sur le Discord, on parle de tout, de rien. Il y a des bons plans et toutes les semaines, il y a des jeux vidéo à récupérer gratuitement. Dès qu'on a un bon plan pour en récupérer, on le signale. Autant se faire plaisir. Voilà. Hop là. Je vais sauvegarder. Et la prochaine fois, ça sera cette route 222. On met la carte, direction Rivamar, le 8ème badge. La route 223, le chenal 223. La route victoire, la petite route victoire. Et la ligue en deux étapes. On fait cette route là, on fait Rivamar. On fait cette route là, on fera une pause. Et après la suite de la route victoire, la ligue. Et ça fera la deuxième partie du prochain stream Pokémon. Quand? Je ne sais pas. Ça, par contre, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que prochain stream, si je ne me trompe pas, c'est demain matin, heure française de Paris, à 10h du matin. Je serai sur Marsupilami, parce que j'aime beaucoup les Marsupilami. Et la boîte, elle est derrière. Voilà. Ça sera Marsupilami, le secret du sarcophage, que j'ai eu à Noël, donc j'en profite. Demain soir, c'est soirée jeux de société avec Ando de l'équipe. On continue notre défi compétition sur Ticket to Rail, les aventuriers du rail. Un jeu de société hyper passionnant. On fait un point géographie dessus, en plus c'est bien. Mercredi soir, c'est Draken qui sera sur la suite de Siberia, un point and click hyper passionnant, il est très très beau pour l'époque, il est super bien développé, il est vraiment beau, il est super bien écrit, c'est impressionnant, et c'est un jeu français. C'est un jeu français? Attendez, j'ai un doute sur ça, à vérifier, il faudra que je lui demande.
Jeudi, il n'y a rien. Vendredi soir, il y a Rusty Baria. Samedi matin, ce sera Ando. Il sera sur l'Abironia RPG. C'est un petit RPG pixelisé. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Et samedi après-midi, c'est Ando et Draken sur Keep Talking and Nobody Explode. Donc, ils vont essayer de ne pas faire exploser de bombes en faisant du désarmement sage, sous stress, panique, etc. Donc, ça peut être bien sympa aussi. Voilà pour le programme de cette semaine. Et pour ma part, donc, Marsupilami, demain mardi matin, demain soir Ticket to Ride, et Pokémon, en vrai, j'ai pas envie de le refaire très tard, enfin trop tard, donc il se peut que hors planning, Pokémon arrive de nouveau en pleine nuit. Je pense que je vais faire ça. Voilà. C'est super sympa en tout cas. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, ça, je suis pas très compliment, mais je prends ça avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà pour le programme, voilà, pour vous avez toutes les infos sur Iva Sound Studio. Je vous laisse avec la musique. Passez un bon matin, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, j'en sais rien, peu importe là où vous êtes. Prenez soin de vous, passez du bon temps. Voilà, soyez heureux, heureuse. Et comme on dit chez nous, cordialement, bisous, à très vite.